Salut à tous et bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui, je suis venu sur le terrain du Marais. C'est le matin, c'est plutôt calme. Il fait pas si froid que ça. Je pense que ça va un tout petit peu monter, mais pas beaucoup beaucoup. Et on est venu sur le terrain du Marais aujourd'hui pour que je vous présente ce qu'il y a dans mon kit feu. Voilà, donc cette petite pochette que j'emmène souvent avec moi, donc qui est plutôt axée bushcraft. Si je devais l'emmener en rando, j'emmènerais beaucoup moins de choses que ça, bien sûr, parce qu'au final ça prend un petit peu de poids, et on le sait, le poids c'est pas forcément l'ami du randonneur. On va se faire un petit café au passage, hein. En ce moment dans le Marais tout est humide, détrempé. Je mets, alors ça c'est du copeau de bois sec. Je mets mon copeau dans un gant. Ça me permet de pas trop être dérangé par la suite. Et puis ça démarre relativement facilement. Un petit grattage de Fire Steel. Et puis en général ça part assez vite. On va utiliser du bois gras, et on a déjà vu le Fire Steel, un petit grattoir, un morceau de bois gras. Voilà. Tac. Hop, tout de suite alimenté avec un peu de bois. Donc il y avait le petit Fire Steel, comme je disais, avec le petit grattoir. Alors le petit grattoir, pour moi, il n'est pas obligatoire dans mon kit feu, pour la bonne et simple raison que dans mon kit feu, j'ai aussi une petite lame, comme je l'avais expliqué, en acier carbone, donc une lame de scie à métaux qu'en réalité j'ai toute polie, qui me permet d'utiliser comme battoir pour le briquet à silex, tout simplement. Donc c'est la lame qui me permet de frapper le briquet à silex, et on peut voir que si j'ai pas le grattoir, j'utilise la lame. Donc j'ai le classique, le briquet. Autour du briquet, ici, j'ai un petit morceau d'élastique. L'élastique, ça permet de maintenir la flamme. Bon, c'est du pétrole, donc forcément, enfin un dérivé de pétrole. Donc forcément, c'est quelque chose qui permet de conserver une flamme assez facilement. J'ai aussi le petit briquet solaire. Le petit briquet qu'on a vu dans la vidéo dernièrement. Chose particulière. J'ai un tube, tube où en général on trouve des sauces pour les plats préparés qu'on peut acheter dans le commerce. Il est rempli avec de l'alcool à brûler, parce que j'utilise très très souvent mon P3RS. C'est entre autres avec ça que je mange le midi dans mon métier, parce que du coup je me retrouve des fois un peu isolé, et le moyen que j'ai pour pouvoir manger chaud, du coup, c'est d'utiliser un réchaud. J'utilise mon P3RS, une popote, et je peux me faire à manger. Donc j'ai un petit tube avec de l'alcool à brûler pour pouvoir charger mon P3RS. On va trouver donc le morceau de bois gras. J'ai ce tube qui est en réalité un tube dans lequel on trouve les flacons d'huile essentielle qu'on met pour les senteurs, quelquefois pour la médecine. J'ai deux tours autour de duct tape, tout simplement. Et ce tube, il est donc en carton, donc lui-même peut servir pour allumer ou concentrer une flamme. Et il est suffisamment étanche pour que j'y stocke à l'intérieur un petit morceau de coton carbonisé, et à l'intérieur
on va retrouver des allumettes classiques. J'ai pas mis d'allumettes tempête parce que dans le coin j'ai pas spécialement des conditions tellement rudes pour mettre des allumettes tempête, mais il serait bon d'avoir quelques allumettes tempête avec. Peut-être que c'est quelque chose que je vais rajouter à l'avenir. Ensuite, j'ai une petite pochette à l'intérieur de la pochette où j'ai tout ce fatras. Donc, un morceau de tissu coton classique dont je me sers pour faire le coton carbonisé. Tout simplement, pour l'instant il est vierge et je peux l'utiliser à tout moment pour faire du coton carbonisé. Un lacet. Une cordelette en fibre végétale. Alors la cordelette en fibre végétale, c'est très très bien pour pouvoir aussi démarrer un feu. C'est resté au sec, un coup de fire steel ou deux, et ça prend assez bien. Un sachet plastique étanche, donc un ziploc classique, à l'intérieur duquel j'ai du coton tout basique. Voilà, le petit sac étanche, c'est plutôt bien. Ça permet vraiment de conserver les récoltes dès qu'on a besoin d'une récolte un peu sèche ou n'importe. On peut la conserver dans ce petit sac tranquillement. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité avant, parce que sinon le sac va garder l'humidité. Donc voilà pour le fond de ma pochette. Et on arrive à cette petite boîte. Elle est toute en acier pour pouvoir me faire du coton carbonisé, justement, si un jour j'avais besoin d'en faire sur place. Donc c'est des petites boîtes à gâteaux classiques. À l'intérieur de cette petite boîte, on retrouve encore un petit morceau de fibre de coton. À l'intérieur, il y a encore un peu de coton carbonisé. Cet été, j'avais fait une petite animation où j'expliquais et je faisais essayer aux gens le feu au briquet à silex, et du coup j'avais un gros stock de coton carbonisé, j'en ai remis un petit peu dedans. Je vais avoir une bougie chauffe-plat dedans, c'est toujours utile, on sait jamais. Bushcraft ou pas bushcraft, hein. Il y a des moments où on s'en fiche, on a juste besoin d'obtenir du feu. La petite bougie chauffe-plat, en plus, elle peut vous servir en survie. Si vous vous emmitouflez dans votre couverture de survie, vous pouvez l'utiliser pour rehausser la température à l'intérieur de la couverture de survie. Attention toutefois, la couverture de survie, les petites couvertures qu'on achète partout, c'est inflammable, donc on ne fait pas n'importe quoi. J'ai un morceau de bois avec de la résine dessus. Ça c'est bien, gratter de la résine des fois c'est utile, ça crépite, ça fait vraiment démarrer un feu. J'ai d'autres morceaux de résine pure à l'intérieur comme ça dedans. Voilà, de la résine récoltée sur les pins, les sapins. De la fibre sèche, vraiment très très sèche, qu'on a vu là dernièrement dans la vidéo sur les améliorations à apporter au feu à l'archet. Donc on voit que là, j'ai encore un petit peu de fibre sèche, très sèche, bien au sec, dans mon kit feu. On retrouve, ça chasse pas mal aujourd'hui, c'est normal, c'est le marais. On retrouve encore une petite boîte, donc les boîtes cigarettes, tout simplement. Les mini boîtes cigarettes. Alors même si je fume pas, j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui m'a passé la sienne parce qu'il l'utilisait pas, et pour moi c'est quelque chose de très très bien. C'est très très plat. J'y mets 2-3 petits bouts de papier classique. C'est toujours utile, hein, pour démarrer un feu. On retrouve encore du coton carbonisé et les grattoirs pour les allumettes. Alors je pourrais les mettre dans la même boîte que les allumettes, mais en l'occurrence c'était pas forcément pratique pour moi. Donc dans ma boîte on trouve du silex, forcément des morceaux de Daldini concentrique, hein. On se souvient la vidéo sur la Daldini concentrique, j'adore ce champignon, il est phénoménal. Des petits morceaux d'amadouvier déjà coupés, préparés. Forcément, c'est aussi tout utile. On l'a vu dans la vidéo sur le champignon amadouvier qu'on allume avec la loupe. C'est extrêmement efficace aussi. L'incontournable du bushcraft, forcément, la petite écorce de bouleau. L'écorce de bouleau, hein, on se souvient, il contient énormément de bétuline. La petite fibre dessus, c'est extrêmement inflammable. Un grattage de fire steel dessus, ça part extrêmement vite. Voilà, on a fait le tour de ce que je pouvais avoir à l'intérieur de ma boîte et de mon kit feu. Voilà,
Donc il se compose d'une petite boîte, enfin ce n'est pas une boîte, pardon, d'une petite pochette. Pochette que je peux venir avoir avec un mousqueton à ma ceinture ou grâce au petit système ici d'accroche. Je peux la mettre et elle est constamment en réalité accrochée sur les passants mollis de mon sac à dos. Et c'est pour moi le petit kit extrêmement utile. Alors, il reste une dernière chose. Ici, j'ai encore un morceau de cordelette. Alors, en fibre, du coup, polyester. Donc, c'est bien. Ça peut faire au feu une petite bouillie infâme qui conserve le feu et qui permet d'améliorer le démarrage. Ça me fait la possibilité aussi d'avoir un archet. Quantité de petites choses, sachant que j'ai aussi un lacet, tout simplement, à l'intérieur de la pochette. Donc avec ça, en théorie, je suis capable de démarrer un feu dans quantité de situations. Elle est vraiment du coup axée bushcraft, parce que si je devais vraiment partir en rando, je me contenterais de très peu de choses. Quelques allumettes, bien évidemment. Pour moi, c'est un incontournable, mon Fire Steel. Je m'en contenterais très bien aussi. Un briquet. Et éventuellement, je partirais qu'avec ça. Des allumettes, classique et tempête, un briquet, mon Fire Steel. En théorie, avec ça, je peux m'en sortir aussi sans problème. La petite bougie chauffe-plat, j'aime bien la rajouter. Éventuellement, je la mettrai avec ma pharmacie. Mais voilà, j'emmènerai pas un kit aussi complet en randonnée. Allez. Parce que c'est bien beau de parler, mais... On va peut-être allumer le feu pour se faire le petit café qui était prévu, parce que je commence à avoir un tout petit peu la gorge sèche. Alors, le coton, pour voir à quel point c'est efficace. En plus, là, je vais l'avoir avec un tout petit peu de bois gras dedans. Ah, ça va être phénoménal. Ça va peut-être bien être du thé plutôt. J'ai plus envie d'un bon thé que d'un bon café. Ah oui.
c'est pas facile, mais bon. Ça finit quand même par fonctionner. Il est bon ce thé, je sais plus ce que c'est, mais il est vraiment bon ce thé. J'avais prévu mon petit café, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Ah, il me reste un peu de chaleur là, ça fait un petit peu de bien. Il y a de la fraîcheur quand même. Ah ouais. Bon allez, je crois que il va être l'heure pour moi de ranger. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.